du soleil, la mer, de quoi susciter les émotions positives et faire sortir les familles de leur maison. Bon, pour cette fête, je suis venu m'amuser avec les enfants. Comme ils ont passé une année scolaire magnifique, ils ont bien travaillé. Donc pour qu'ils déstressent, il faut qu'ils aillent un peu à la plage, pour qu'ils s'amusent. La soirée, comme c'est le réveillon, on va couper un gâteau pour la Noël. Bon, il y aura les cadeaux pour eux. Comme nous avons fait l'arbre de Noël, les cadeaux sont sous l'arbre de Noël. Et arrivé quand ce sera minuit, ils vont ouvrir leurs cadeaux. En tourisme à Libreville au Gabon, ce père de famille se réjouit du contexte de cette célébration post-Covid. Je suis accompagné de mes enfants et nous nous promenons dans cette agréable baie de Libreville, en ce jour si symbolique. À cause du confinement et maintenant on va fêter ça et comme il se doit et voilà. Le Covid en l'occurrence, en espérant que ça nous ait précédé, hein, ne nous permettait pas de nous retrouver tel que cette année notamment. C'est aussi l'occasion pour les opérateurs économiques de présenter leurs derniers moyens de séduction. Ouais, mon jeu, comme tu peux se tourner là, si tu peux caler là, c'est les 500 que tu as misé, ça reste 500. On te remet tes 500 et plus ton bonus que tu as gagné. Même si ça tombe là, là tu as perdu. Là, les 500 reviennent chez nous. Tu l'as joué 2000, tu as joué 500. Il arrive sur 2000 comme là. On lui donne 2500. On remet ces 2000, son argent 500, puis son bonus 2000. Nous sommes sortis aujourd'hui, comme aujourd'hui sur le 24, pour fêter la fête de nos petits frères, nos petites soeurs, nos nièces, nos cousines, un peu de tout. On est venu fêter un peu, s'amuser un peu avec les petits enfants, nos petites soeurs, tout le monde. Célébrer dans le monde entier la Noël et la fête de la nativité chez les chrétiens, d'où l'importance de faire plaisir à ses enfants, mais aussi à ceux qu'on aime, pourquoi pas.